Bonjour à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour ce premier quartier du 1er avril 2020. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu de la partie historique qu'on est en train de vivre. On vit donc un moment historique à l'échelle de la planète qui bouleverse notre vie de A à Z. On n'en est qu'au début. Alors, il est important qu'individuellement, les changements dont nous avons le pouvoir d'installer soient en ligne directe avec nos vraies valeurs. C'est vrai, je le dis à chaque fois, à peu près dans chaque article, parce que c'est vraiment essentiel. Alors, il y a le choc et puis il y a l'urgence. Ensuite, et puis on vient après le temps d'adaptation dans lequel je pense on est en train d'entrer. Et alors la vie ne prévoit pas de retour en arrière, hein. Je pense que ça vous le savez aussi. Elle avance, elle avance, elle avance, et c'est à nous de nous adapter, de nous organiser au mieux de ce que nous pouvons faire avec les moyens dont nous disposons. Et puis j'ai envie de vous parler aussi d'un petit peu l'année prochaine avec le premier trimestre, puisque j'en ai parlé aussi dans mes prévisions. Si vous souhaitez aller voir de quoi ça parle exactement. Donc jusqu'à mars 2021, nous aurons encore beaucoup d'efforts à faire, de changements à faire et de nouvelles choses à accepter dans notre vie. Et voilà, donc je vous propose, si vous le voulez, en savoir plus par rapport à mes prévisions, donc de voir ma vidéo qui est en ligne. Il s'appelle prévision mars 2020 jusqu'à mars 2021. Et puis maintenant je vais vous parler de l'article d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui j'aborde la concentration de planètes qui se trouve en Capricorne avec le trigone à Vénus. On voit que Mars progresse rapidement dans ce petit groupe de planètes dont il fait partie également. Et puis il y a le carré Uranus qui est en carré à toutes ces planètes. Donc ça crée une difficulté pour nous. Il y a le milieu du ciel avec Neptune et Mercure qui sont en conjonction. Et puis la maison 12 qui se trouve en Cancer avec la Lune en conjonction à l'ascendant. Et il y a aussi la tête du dragon dans cette maison 12 qui est en carré d'ailleurs. Donc la Lune qui est en carré au Soleil et à la Lune noire apogée en Bélier. Donc tout ça, je le détaille dans l'article qui s'appelle d'ailleurs l'homme jade. Voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas que pendant la vidéo il y a une pause musicale de 30 secondes. Ça fait une petite interruption musicale, un petit espace musical, et j'aime bien qu'il y ait ce genre de choses dans ma vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Bonne vidéo. Vénus, comme à la nouvelle lune du 24 mars dernier, est en trigone à Mars, Pluton, Saturne et Jupiter, qui nous indique toujours la possibilité d'agir de manière appropriée pour assainir, revitaliser, garantir un seuil de confiance, de sécurité,
dans notre tissu social personnel, c'est-à-dire la famille, un groupe particulier dans lequel on est très souvent, le collectif en général. Et toujours en adoptant un nouveau comportement. Actuellement, en taureau, nous avons besoin de choses concrètes et tangibles pour développer ou maintenir ou retenir notre attention vis-à-vis de nos proches et nos contacts en général. Ici, l'attachement se construit à partir de faits et d'événements substantiels. Il ne s'agit pas de rester à l'étape des intentions, mais de formuler et d'exprimer par les actes pratiques, visuels, ce qui structure le lien. Par analogie, le signe du taureau correspond à la maison 2, lieu d'expression de nos qualités personnelles. Ce qui est précisé à ce propos constitue donc un point fort du moment à utiliser. Et donc, entre guillemets, à formuler et exprimer par les actes pratiques, visuels, ce qui structure notre lien à l'autre, nos autres, c'est-à-dire nos proches, nos amis, nos voisins. Et en ce moment, dans les circonstances particulières que nous vivons, alors j'énumère quelques petits exemples que j'ai pu voir comme vous, comme tout le monde, par rapport donc dans certains médias et sur les réseaux sociaux avec les applaudissements pour des remerciements au corps médical qui ont lieu chaque soir apparemment. Il y a des appels téléphoniques que nous faisons pour prendre des nouvelles de nos proches, de la famille, de nos amis. Et donc on le fait peut-être plus souvent. Et l'utilisation donc des réseaux sociaux avec Skype notamment. Et donc oui, pour prendre des nouvelles de manière plus constante des personnes qui sont proches de nous dans notre cœur mais loin géographiquement. Et c'est l'intérêt, l'attention que nous portons au bien-être des personnes qui vivent aussi avec nous, puisque nous sommes en confinement. Alors, ou tout proche de nous, donc par rapport au voisinage, c'est soulager l'autre, donc des tâches ménagères, puisqu'il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à assumer au quotidien et en étant en fait dans un symboliquement dans un vase clos, puisqu'on ne peut pas sortir aussi régulièrement et aussi librement qu'on le souhaite. Et donc on doit participer de manière plus visible, de manière plus constante, essayer d'instaurer une vie harmonieuse le plus qu'on peut et de ce que l'on veut, bien sûr. Alors, nous étions déjà sur ces mêmes bases lors de la nouvelle lune du 24 mars dernier. Ce qui se passe alors à notre échelle embryonnaire se fait aussi à plus grande échelle au niveau collectif. Les attentes et les besoins sont les mêmes. Nous devons être inventifs et prêts à accueillir l'imprévu qui, passé l'état de stupéfaction, conviendra à notre bien-être. Ensuite,
Je passe à Uranus sextile à la tête du dragon. Alors, dans une lecture plutôt positive, puisque elles sont dans la maison 12, dans le signe du cancer. Donc, la maison 12, symboliquement, hein, j'en parle un peu plus loin, mais symboliquement correspond à la maison d'Uranus, de Neptune, pardon. Alors, c'est actuellement notre point fort dans ce secteur de notre vie. De plus, l'énergie taureau encourage sur ce thème du 1er avril notre implication individuelle dans la vie collective et sociale. Donc ça, j'en parle un peu plus tard. En résumé, l'énergie taureau, forte, puissante, persévérante, a besoin de choses concrètes, de sentir les choses concrètement pour installer un climat de confiance. C'est une énergie qui concerne le corps et tout ce qui contribue à son bien-être dans notre volonté de nous entourer d'éléments qui auront une bonne influence dessus. Je passe maintenant à la maison 11 avec Uranus, notamment, puisque j'ai déjà évoqué Vénus. Il y a une mise en avant de l'aspect scientifique, de l'aspect de la recherche. La question, sous-entendue des réformes au sens de découverte, qui est soulevée. C'est aussi la force du groupe dans l'application pratique des décisions prises notamment par l'aspect Uranus carré à Mars, qui est en conjonction à Saturne, sur lequel je vais revenir. Avec Uranus, il y a une forme de dysfonctionnement pointé sur la planète, par la planète, pardon, qui surgit et qui, comme toujours avec elle, nous met dans l'urgence d'agir, qui nous demande de revoir nos plans, et ici nos plans de vie quotidiens, puisque il s'agit du signe du cancer. Ce dysfonctionnement, nous pouvons dire qu'il est ancien, mais invisible jusque-là. Je reviens maintenant sur l'aspect Uranus carré à Mars qui est en conjonction à Saturne. Donc là, je fais la globalité, la synthèse de l'aspect. On voit que Saturne et Mars sont au début du signe du Verseau. Saturne entre donc en Verseau sur le thème du jour, cela correspond à la maison 8. Alors, premièrement, en parlant, pardon, juste de Saturne, je disais lors de la nouvelle lune du 24 mars dernier, que la planète allait s'ingénier à circonscrire un territoire. C'est-à-dire que nous allons délimiter, définir un espace virtuel d'expression sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, ou développer un langage, ou redéfinir notre rapport aux autres, nos partages, nos échanges, d'une manière générale, nous efforcer de trouver un moyen pour véhiculer nos idées d'une façon plus large. C'est aussi
réinventer notre rapport au pouvoir hiérarchique, que l'on soit salarié, employeur, indépendant ou chef de famille, ou salarié, ou employeur, ou indépendant, homme ou femme. Ou bien, vu sur le plan collectif, à grande échelle, les citoyens et le gouvernement. Alors, Mars en conjonction dynamise les actions de Saturne. Nous sommes poussés à nous impliquer totalement dans ce que nous faisons. Nous sommes convaincants et bien sûr convaincus du bien fondé de ce que nous faisons, de ce que nous exprimons. Nous nous sentons plus libres d'exprimer nos convictions, mais pas forcément à l'aise. Alors, entre parenthèses, à cause de la retenue de la prudence saturnienne qui a besoin d'un cadre délimité. Or là, c'est l'énergie du Verseau, donc Saturne est en Verseau, et ce qui nécessite d'avoir la voie libre et d'être hors limite, donc sans crainte. Je referme la parenthèse. Nous pourrons donc utiliser les atouts de Saturne qui sont la concentration, la méthode, la patience, le sens des responsabilités et surtout, dans les circonstances singulières actuelles, le sens du devoir, l'autorité, la rigueur, etc. Il y a aussi un renforcement de notre exigence. Et donc, tout cela en maison 8. Cela correspond à une étape de transformation majeure de nos repères, du tissu social, relationnel, personnel et collectif. Nous inaugurons une nouvelle vision du partage, de l'échange. C'est un autre aspect avec de nouvelles perspectives qui apparaissent au grand jour. À noter que Saturne peut aussi, pour certaines personnes peut-être plus sensibles, signifier donc plus de sensibilité et donc au vu de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils voient, de la tristesse. Ça peut être aussi plus de rigueur scientifique, un souhait de développer ce genre de choses. Et voilà. Maintenant, dans la combinaison à Uranus en carré, on voit que nous sommes en recherche d'expertise et d'approfondissement de nos connaissances pour trouver des réponses à un besoin, à un questionnement, à des interrogations profondes. On peut aussi interpréter ce carré par
une peur, un sentiment d'insécurité grandissant face à l'inconnu, face à l'imprévisible, entre parenthèses parce que Uranus est l'imprévisibilité, l'ingérence qu'il faut tout de même côtoyer. C'est la fermeture de la parenthèse. Cela peut aussi être un durcissement de ou d'une épreuve par des difficultés nouvelles. Alors, j'explique aussi, entre parenthèses, que cela peut être des barrières de légalité, des moyens légaux plus répressifs, des autorisations que nous avons du mal à obtenir ou qui sont retirées, des conflits qui naissent, des préoccupations financières, administratives, bancaires, notamment liées au travail, etc., etc. Donc je referme cette parenthèse. C'est la marque d'une ferme volonté à imprimer dans notre environnement, notre entourage, de façon durable. Jupiter, en conjonction à Pluton, en Capricorne. Nous sommes contraints de modifier la façon de gérer nos associations, nos partenariats, notre univers relationnel est d'une façon générale transformé, rectifié en profondeur. On peut dire autrement que le lien social se charge de valeurs nouvelles, donc par rapport à l'aspect trigone à Vénus. La Lune est en carré au Soleil et ce Soleil, il est en conjonction à la Lune noire apogée. Nous sommes conviés à lâcher prise nos fausses ou anciennes valeurs, nos vieilles habitudes ou héritages ou coutumes ou usages personnels ou collectifs, au niveau familial ou d'une vision beaucoup plus vaste. Nous sommes initiés à regarder au-delà des apparences, de poser un regard plus lucide et responsable sur ce que nous initions, pardon, là où nous engageons notre responsabilité. Nous sommes également invités à faire un bilan de nos expériences passées. Ainsi, nous pourrons en tirer des conclusions et faire des choix pour l'avenir, concernant notre vie privée, en direction de notre vie sociale. Que sommes-nous en mesure d'offrir au monde, en comparaison donc de avant et maintenant ? Notre rôle au sein de la cellule familiale ou au sein d'une, en voyant plus largement, d'un collectif que vous avez créé, ou donc je parlais de la famille, donc que vous avez créé ou dont vous êtes issu, il faut que cela fasse partie d'une préoccupation, d'un centre d'intérêt que vous aviez avant, pour pouvoir faire une comparaison, bien sûr. Et quelle autre forme de question il peut y avoir? Qu'ai-je retenu ou gardé de la transmission du savoir familial? Donc, héritage d'un savoir, une façon de se comporter, voilà. Le but étant d'acquérir un regard plus approfondi du vécu et du parcours qui reste à faire pour
aller vers votre objectif. Nous pourrons ensuite nous demander quelles sont les caractéristiques sur lesquelles porter notre attention à l'avenir. Peut-être pourrons-nous nous ouvrir alors à des éventualités que nous n'avons pas envisagées. Cette lune qui présente un carré au soleil et à la lune noire apogée est en maison 12. La lune, c'est aussi la foule, les gens, nous. La maison 12, c'est un lieu d'enfermement réel ou symbolique. D'un point de vue personnel, cela peut être que nous avons à faire une introspection, comme évoqué tout à l'heure, et au collectif, c'est aussi la même idée. Nous faisons face à une énigme, à un ennemi, invisible, inconnu, caché, indéfinissable. C'est la définition de la maison 12. Parce qu'il faut faire le lien avec Neptune. Avec Neptune, ce sont bien souvent des affaires à démêler, d'une grande complexité, dont il faut sans cesse se méfier des apparences. Vient ensuite le quintile avec Mars et Saturne, quintile au soleil et à la lune noire apogée. Ce que nous nous proposons de partager doit ou devra s'appuyer sur une grande conviction, une réflexion que nous aurons pris le temps d'amener à maturité et dont nous nous sentons investis. C'est en outre l'étincelle qui nous permettra de progresser sur le seuil initiatique évoqué lors de la pleine lune du 9 mars dernier, intitulée « Le feu du ciel ». Donc je mettrai les références de cette vidéo en dessous. Ensuite, nous avons l'aspect de Mercure en conjonction au milieu du ciel et à Neptune. Nous serons focalisés sur l'émersion d'idées. Ces idées, nous les voudrons avant-gardistes avec une grande volonté d'ouverture. L'envie d'atteindre et de toucher l'autre autrement que par les voies classiques et traditionnelles. Toucher son âme, avec Neptune, j'ai envie de dire. L'envie que les mots employés, le langage, aillent droit au cœur. On peut parler d'un vent de compassion. Situé en conjonction au milieu du ciel et Neptune, c'est l'objectif annoncé à atteindre dans une vision individuelle et collective. Nous sommes en mesure de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons en injectant une vision nouvelle et dépourvue des mémoires d'échecs. Entre parenthèses, en pareille situation, je veux dire l'inconnu. Nous devons nous défaire de nos chaînes, de nos fers, c'est-à-dire des contraintes pratiques, psychologiques, entre parenthèses les pensées limitatives que nous pouvons entretenir quotidiennement, je referme donc cette parenthèse, des attachements affectifs de dépendance, etc., etc., etc. Il s'agit de saisir l'opportunité de s'ouvrir aux autres d'une nouvelle manière, avec un regard neuf, en répondant à un appel intérieur plus mature, plus réfléchi. Il s'agit de sortir de certains conditionnements pratiques et matériels, de principes révolus qui instillent du désordre auquel nous nous accommodons pour tenir, comme on dit.
Voilà pour le début du défi initiatique que nous avons. Me revoici. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous revoir pour la pleine lune du 8 avril 2020. Pensez à liker, vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous, corps et esprit. Prenez soin de vos proches et de ceux que vous aimez d'une manière générale. Restez chez vous et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt. Au revoir.